puisque 8h15 ce soir, nos deux invitées principales sont à l'affiche d'un théâtre pas très loin d'ici, le théâtre Héberto. Elles s'appellent Danielle Lebrun et Sarah Biasini. À l'affiche de l'Antichambre, une pièce de Jean-Claude Briseville, mise en scène par Christophe Lidon, avec aussi Roger Dumas, que j'avais eu la chance d'accueillir sur un autre plateau télé il y a quelques semaines de cela. Vous êtes trois sur scène. Est-ce que vous pouvez, en deux mots, essayer de nous raconter qui est qui dans cette pièce qui se passe au XVIIIe siècle? Je commence par Danielle Lebrun, vous êtes d'accord, Sarah Biasini? Danielle. Madame du Deffand était une dame qui tenait un salon, les fameux salons du XVIIIe, une amie de Voltaire, et qui était réputée pour sa méchanceté, disons, et son humour. Et elle c'était une divorcée sans enfant, et elle a trouvé dans sa campagne, chez son frère, une jeune femme qui avait 35 ans de moins qu'elle, et éblouie par son intelligence et sa finesse, elle s'est dit, je vais la récupérer pour mon salon à Paris. C'est sa nièce, voilà. C'est ça, Sarah Biasini? C'était sa nièce de la main gauche, comme on dit, c'est-à-dire que c'était son frère, mais qui ne l'avait pas reconnu. C'est une bâtarde, et ça, c'est le drame de la pièce. Et Roger Dumas dans tout ça, alors, Sarah Biasini? Roger Dumas joue le président Hainaut, qui est un vieil amant de la marquise, hein, on peut dire. On peut dire ça comme ça. Non, mais voilà, ils ont eu une histoire d'amour, et donc ils habitent à peu près, enfin plus ou moins ensemble. Et donc ce président Hainaut, joué par Roger Dumas, fait un peu le tampon entre cette bataille féminine. Quoi. Voilà. Sur les fameux salons où commençait à régner une sorte de contre-pouvoir, on peut dire, à cette époque, c'est oui, ça. Oui, c'est ça, exactement. Elle le dit dans la pièce, la cour n'est plus qu'un soleil mort, et c'est maintenant nous qui avons le pouvoir, nous dans les salons. Le soleil mort, c'est Louis XIV, évidemment. Oui, et puis c'est fini. Louis XV est en baisse. Dans les sondages. Dans les sondages. Gérard Miller va nous en parler puisqu'il est allé au théâtre Héberto, mais on regarde tout de suite un extrait de l'Antichambre avec Danielle Lebrun et Sarah Biasini. Méfiez-vous de la philosophie, mademoiselle. Elle incite à avoir des lumières sur tout. C'est d'une pédanterie fâcheuse. Mais cependant, vous recevez les philosophes? Oui, j'aime leur compagnie parce qu'ils sont intelligents. Jusque dans leurs illusions, et que l'intelligence est bien le dernier trait dont on se lasse chez un homme. Y aurait-il quelque chose encore? Oui, madame. Et vous seule, qui êtes pour moi comme une mère? Oh non, je n'ai jamais pensé cela, mon enfant. Je vous ai dit que moi, je vous considérais comme ma fille. Il n'y a pas obligatoirement de réciprocité. L'Antichambre au théâtre Héberto avec Sarah Biasini, Danielle Lebrun ici présente, mais aussi Roger Dumas. Gérard, alors, vous y êtes allé. Je vous présente quand même Gérard Miller, Claude Sarraute et Christophe Alévèque. J'y suis allé, et il faut dire que non seulement c'est le 18e, juste avant la Révolution française, enfin une des périodes où la France sans doute était la plus belle et la plus intelligente, mais qu'on a sur scène d'abord deux monstres, si vous me permettez, madame, que je vous appelle comme ça. Il y a Dumas et vous-même, deux monstres absolument sacrés. Moi, je dis souvent, si vous avez raté Sarah Bernhardt, allez voir Danielle Lebrun, vous aurez à peu près le niveau de... Et entre les deux, il y avait la petite Sarah. C'était quand même un des enjeux de la pièce. Comment va-t-elle faire entre ces deux génies du théâtre, Danielle Lebrun? Et je le dis franchement parce que je trouve qu'au théâtre, c'est là où on peut le mieux mesurer ce que c'est qu'un acteur. Et Sarah tient le coup. Elle tient le coup, et la pièce d'ailleurs est un peu basée là-dessus, puisqu'il s'agit même qu'à la fin, elle prenne, si j'ose dire, le dessus. Et donc ces trois monstres, un petit monstre, Sarah, deux grands monstres, et une pièce absolument passionnante parce qu'écrit avec une langue sublime. Moi, j'aime le théâtre, notamment pour la langue française. Et on entend une diction comme on n'entend nulle part ailleurs. Donc c'est une pièce intelligente qui apprend beaucoup de choses, parce qu'on y croise, si j'ose dire, l'ombre de Diderot, celle de D'Alembert. On sent la Révolution française, on sent la contestation, tout ça avec beaucoup d'humour. C'est très réussi, très joli, et en plus, vraiment, ça rend fier d'être français parce qu'on découvre ce que c'est que le génie français à l'aube de la Révolution française. Et rappelons que Briseville avait signé, entre autres, mais c'est une de ses grandes pièces à succès, le fameux souper entre Talleyrand et Fouché. C'était Claude Rich et Claude Brasseur, si ma mémoire est bonne, qui interprétaient ces deux rôles. Donc il est habitué à ces pièces historiques et à ces dialogues ciselés. Il y a bien les duels entre deux personnages, comme Madame du Deffand et l'Espinasse, ou comme Fouché et... Talleyrand. Voilà. Je vais vous présenter aussi le monsieur qui est assis à côté de vous, Danielle Lebrun, à côté de vous aussi, Sarah Biasini. À côté de vous, là, le petit, là, c'est Jérémy Michalak, on va en parler tout à l'heure. Mais le monsieur, avec des lunettes,
C'est Monsieur X pour l'instant, on ne peut pas dire son nom. Vous essayerez de trouver pourquoi il a fait l'actualité, pourquoi on a parlé de lui dans les journaux précisément tout récemment, même si on avait déjà parlé de lui auparavant. Mais là, il y a un fait précis qui fait que d'un seul coup, on a parlé encore un peu plus de lui. Pourquoi, pour quelle raison? Vous lui poserez toutes les questions. Parce qu'il a tué son coiffeur. Ça pourrait, mais ce n'est pas ça. Justement, est-ce que sur France2.fr, Forum, on n'a pas tout dit, on a d'aussi mauvaises propositions que celles de Christophe à l'évêque? On a même des bien pires, on pense que vous êtes le rédac-chef de Télépoche, et vous venez dire que la semaine prochaine, dans votre magazine, il y aura un poster de Minimati, mais grandeur nature. Ah oui, ça tient, quoi. Mais s'il y en a un qui veut faire des vannes là-dessus, c'est moi, donc ah, ça oui, va. Hein. Allez, vas-y, le pince. Sinon, on pense que vous êtes l'astrologue le plus pourri de France, et vous venez dire que les ch'tis, ça marchera jamais, et que cet été, il fera beau en Bretagne. Qu'on gagne ce soir si on est le premier ou la première? Alors, à deviner gagne... pourquoi Monsieur X était dans l'actualité ces jours derniers. Eh bien, on gagnera 2 places pour la pièce L'Antichambre au théâtre Héberto et gagne également 10 places de cinéma et certains des objets de Jérôme Bonaldi. Tout à l'heure, Jérôme Bonaldi viendra nous présenter quelques objets. Ils seront à gagner. Claude, Sarraute. Ah, je suis ravie. Enfin, j'ai pas de chance parce que chaque fois que tu as des invités, moi je les adore. Ah oui? Alors, pas de chance. Sarah, formidable, formidable. J'ai tout vu. Sauf la pièce de théâtre, tu sais, les pieds nus dans le parc ou je ne sais quoi. Mais alors toi, mon chéri, j'ai tout vu. Je me souviens d'une très très bonne critique que vous m'aviez faite. Je vous en remercie. Mais écoute, de la chance parce que c'est pas toujours le cas. Attends, tu laisses parler, maman. Oui, bien sûr, maman. Écoute, là où tu as été formidable, tout à fait dans une autre gamme, c'est quand tu as 60 ans, tu es mère de famille, 4 gosses, je ne sais plus le nom de la série. Et tu décides que t'en as marre de ton mari. Tu joues Coco, le personnage. C'est Fête de Famille. Fête de Famille. Fête de Famille. Voilà. Fête de Famille. Bravo, Michalak. Avec ça, quelque chose, finalement. Christophe Alévèque, un mot à nos deux comédiennes. Oui, ben moi, je vous vois Vidocq, hein, évidemment. Hein. Ça fait plaisir. Et oui, et puis tout, alors... Non, écoutez, depuis, je ne sais pas combien... Des dizaines d'années maintenant. Non, monsieur, c'est très bien qu'ils me disent ça, parce que souvent, maintenant, c'est des petits chauves et bedonnantes. Et, oh, quand j'étais petit, je voyais Vidocq, alors ça vous fait un alors gros que, coup de vieux. Alors qu'un jeune homme qui vous dit ça vous fait plaisir, merci. Et ça va, ça suffit, là, arrêtez maintenant. Il est quand même bedonnant, hein. Mais regarde. Non, écoutez, excusez-moi, moi, mais... Plaisir, regardez. Alors, attendez, faut que je m'assoie, là. Voilà, alors... Et puis, alors, moi, j'avais vu la pièce... Promenons-nous... Oui, je me souviens, Pieds nus dans le parc. Dans le parc. Vous êtes un ami d'Olivier Sitruk. Voilà, tout à fait. Et donc, c'était encore mieux, puisqu'on n'avait pas payé. Ah, voilà, mais la c'est pièce ça. était magnifique. C'était, je crois, vos débuts au théâtre, oui, d'ailleurs. Oui. C'était un autre genre. C'était une comédie romantique. En tout cas, pour des débuts, c'était réussi. Vous serez mise en scène par le même metteur en scène à Avignon cet été, Sarah oui. Biasini. Oui, oui, je rempile avec Christophe Lidon, que j'aime énormément. Et donc, on va jouer une pièce pendant 3 semaines au Festival d'Avignon qui s'appelle Maestro. Et à nouveau à 3 personnages, mais là, c'est une femme et 2 hommes. Maestro en Avignon, comme on dit maintenant, voilà. Cet été. Oui, Jérémy Michalak. Juste à propos du Festival d'Avignon, on a un message de Marco qui dit « Faites gaffe, parce qu'il y a Gérard Miller qui sera pour jouer son one-man show. Donc, s'il essaye de rentrer dans votre loge, vous barricadez, vous appelez les flics. » Très vite, surtout. C'est vrai, ça, d'ailleurs. Mais c'est pas rentré.